Jean-Claude Rouget. Bonjour Jean-Claude, comment ça va? La forme? Alors 4, 5 ou peut-être même 6 poulains, je ne sais plus, et les emplettes ne sont pas finies. Qu'est-ce qui vous motive à acheter tous ces chevaux cette année particulièrement? 5 000 euros. Pas cette année particulièrement. L'an dernier, il y avait vraiment, pour Nichet, il y avait très très peu de chevaux achetables. Là, c'est un peu mieux, mais ça manque encore de substance dans l'offre. Quand tu tapes 139, je pense que c'est une vente où il y a des clients et qui mériteraient une quinzaine de chevaux d'un niveau comme ça, entre 30 et 50 000 euros. Il n'y a pas, mais ça va venir peut-être. Et puis, j'ai toujours soutenu le Sud-Ouest. Il faut encourager Osarus dans sa démarche. Qu'est-ce que vous allez rechercher? Alors, on parle souvent des yearlings, mais dans ce créneau très particulier des deux ans montés, qu'est-ce que vous recherchez? Qu'est-ce que vous repérez une fois passé le pédigré? Non, je les achète comme des yearlings. Donc je fais attraction du canter. Faites attraction du canter, d'accord. Ouais, ça m'intéresse pas. À 4 000 euros la mère Green Twin. On entend le principe de l'abus de l'opération, non? Oui, mais ça m'intéresse pas. Ça marche aussi. Merci Jean-Claude, bravo. Ben voilà, ça c'est du Jean-Claude Rouget tout craché. Comment ça, les chevaux ils font canter? Non. Merci Jean-Claude.